putain de leggings, trop de putain de leggings. Hey, fidèle mais y'a trop de putain de leggings. Oh sa mère. Eh ouais, vous pensez que j'en avais déjà fini avec Orelsan? Nope. Salut YouTube, on dit quoi? Bienvenue sur Ovella, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Eh ben ouais, il me restait encore une vidéo cachée dans ma liste et c'est celle de Discipline. Quand j'ai fait la réaction de l'album, le dernier album d'Orelsan, La Fête est Finie, lorsque j'ai écouté cette chanson, j'étais agréablement surpris parce que j'ai trouvé que l'instru, il sortait de l'ordinaire. Et c'était une très belle surprise, tu vois. Et j'étais là, wow, il sort de l'ordinaire, mais je le kiffe malgré tout, tu vois. Et quand j'ai su qu'il y avait un clip, je me suis dit, purée, il faut que j'en fasse une réaction. Et c'est exactement pour cela que nous sommes ici. Et bien sûr, avant de commencer, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram à MusicGameNews. Et bien sûr, j'aimerais remercier mes validés pour leur soutien incroyable. Je vous en suis très très reconnaissant, vous êtes les meilleurs. Allez, sans plus perdre de temps, on y va. J'aime trop cet instrument. Discipline. Discipline. Eh hey discipline. Hey, c'est en vertical. J'arrive comme pa-pa-pa-pa-da-pa-pa-da. Devine qui vient de sortir l'album de l'année. Oh super man, c'est créatif. Donc il a fait ça en mode vertical, en vue téléphone, si tu veux, tu vois. Nice. Et j'aime le fait qu'ils aient intégré Instagram dedans, man. Check ça, le meilleur album de l'année. C'est moi, c'est moi. Et en gros, il te donne pas le choix, quoi. Vin qui vient de sortir l'album de l'année. Hey, j'ai passé 2018 en vol plané. Hey, hey, ce genre de loser qui fait que de gagner. Hey, 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 les gamins finis de jouer, je suis pour confisquer la play. Trop de porno, on est déséquilibré. Pour les meufs en maths plus pour équilibrer. Hey, j'ai un pote qui passe son temps à me gratter. Ce bâtard partagerai pas sa 4G. Il me fait du chantage en disant que j'ai changé. Grâce à lui, j'ai de l'inspi, merci de me faire chanter. La 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 la. Si ton pote est sur tout le monde, c'est qu'il fait pareil sur toi. J'arrive sur scène comme oh. Pourquoi je prends la grosse tête comme ça? Discipline. Ouh. Discipline. Discipline. Tu vois, genre c'est super créatif, mais je trouve qu'il y a trop de choses qui se passent en même temps, tu vois. J'arrive pas à me concentrer sur une seule chose là. Je veux dire, ça passe très très vite. Pas que je suis triste, non. Ma cervelle dans les serres, c'est un feu d'artifice. J'étais un sale geek. Hey, Mario. Quand tu peux pas rentrer, même quand t'es sur la liste. Hey. Difficile de se rappeler qu'il y a deux manières de flamber. Hey. Quand ma bite fait tout pour m'empêcher de penser. Hey. Mon gars, c'est explicite, hein. Je trouve qu'ils n'ont même pas assez bien flouté les trucs là. C'est fou. En français, vous allez pas me manquer. Hey. Comme envie d'éclater un type au hasard. Hey. Envie d'insulter un journaliste trop bavard. Hey. Marqué tard le soir devant leur paftard. À l'hôpital à cause d'une star, mais que oui-je pas tard. Que du bonheur. Je vais peut-être finir mon verre, ou peut-être que c'est le contraire. C'est lui qui va me finir. Je vais peut-être finir par terre. Je suis ni gros ni ton frère. Restez poli, faut le faire, faut de la discipline. Discipline. C'était quoi cette danse là? J'ai l'impression qu'il a bugué. Discipline. 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 Un ancien fan m'a dit t'es trop commercial. J'ai dit je sais pas ce que ça veut dire. Trop commercial. Commercial. Il a dit quand tout le monde aime bien c'est trop commercial. J'ai dit tu fais quoi dans la vie? Il a dit je suis commercial. Commercial. Okay. Hey. Faut que je me fasse violence. Discipline. Ces tweetos de merde ont trop d'arrogance. Discipline. Les vieilles connaissances prennent vite la confiance. Discipline. Ça va dégager, c'est bientôt la brocante. Je leur apprends la discipline. Je reviens comme une ex qui t'a fait morfler. Allô. L'appel que t'aurais pas dû décrocher. Fermez vos gueules, j'ai gagné mes procès. Hey. Mes textes étaient mieux quand je les posais. Tout le monde est cool avec moi mais c'est stratégique. Je pensais pas que me faire sucer deviendrait pathétique. Avant raconter toutes les meufs sont maléfiques, arrête de les rencontrer dans... Mais il est habillé comme un clown, mais vraiment comme un plouc quoi, c'est fou. Et c'est assez intéressant que je dise clown parce que pour moi, Orelsan dans son dernier album La Fête est Finie, pour moi c'est un clown malheureux en fait, en quelque sorte. Mais regarde-moi ses habits là, il abuse. Dans les carrés VIP, oh, carrés VIP, oh, barrez-y, oh, allez-y, oh, je vais me barrer vite. Oh. Je rentre ou je vais partir en couille, il faut de la discipline. Trop de putain.
putain de leggings, trop de putain de leggings. Je suis fidèle, mais y'a trop de putain de leggings. Oh sa mère! Cette phrase là, quand j'ai fait la réaction la première fois et je l'ai entendue, j'étais là, mais mon gars, mais tu as à 100% raison quoi, c'est fou. Je vais démonter ta pète, ça va rentrer dans un Kinder. C'est méchant. Rentrer dans un Kinder. Mais ouais, t'attends. Ça sera le nom du single. N'importe quoi. Avant jouer des singles. Ok. Bien joué, ma petite gueule. Ah, l'instru, mon gars, trop fort. J'ai l'impression que l'instrument derrière, c'est des trompettes. Donc, c'est la mélodie avec des trompettes. Ils ont mis un low pass par-dessus et ils ont reverse tout ça, tu vois. C'est pour ça que ça fait... Ah, bravo. Franchement, le clip est stylé. Il y a un petit peu trop de choses qui se passent en même temps sur l'écran. Et c'est pour ça, peut-être qu'il a fait exprès, pour que justement on regarde le clip à plusieurs reprises pour pouvoir tout comprendre, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup d'images en simultané et tout. Donc, c'est... Là, en tant que première réaction, tu peux pas tout assimiler. Ça, c'est clair et net. Mais j'ai re-kiffé réécouter la chanson qui est d'ailleurs dans mon téléphone. J'adore cette chanson-là. Mais franchement, cet album-là, j'ai trop kiffé. Et même la réédition, donc les 11 titres en plus qu'il a fait, je trouve que c'est l'une des meilleures rééditions que j'ai eu le privilège d'écouter pour le moment, tu vois. C'est très très bon, c'est un album très 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 bon et en fait j'ai hâte que Orelsan revienne sur le devant de la scène musicale, tu vois. Même si c'est pas du rap, parce que je trouve qu'Orelsan est l'un des rappeurs qui sait faire les refrains, il est bon en refrain. Parce que la plupart des rappeurs là, ils sont pas très bons, tu vois, à part peut-être Maître Gims, parce que Maître Gims il sait chanter. Mais la plupart des rappeurs, ils utilisent l'autotune un petit peu trop, ils forcent, ils essayent de trouver le hook là, tu vois, la mélodie accrocheuse, mais moi je trouve que c'est très forcé. Orelsan, il ne force même pas, et il arrive à te faire des refrains assez stylés à mon avis. Donc c'est une force pour lui, clairement. Voilà, donc maintenant c'est à votre tour de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de la chanson et du clip, bien évidemment. Merci de m'avoir rejoint comme d'habitude, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Prenez soin de vous, passez une excellente journée, stay safe et je vous attrape dans la prochaine vidéo. Discipline. Peace. Hey yo, toi là derrière ton écran là, tu attends quoi pour t'abonner? Vas-y, c'est pas compliqué, t'as qu'à cliquer ici là, ne sois pas timide. Que tu sois abonné ou pas, tu es le bienvenu sur Ovela, c'est comment?